Avenida Brasil épisode 104. Rita demande à Carmine à l'argent qu'elle a vendu la maison de son père ajouter les intérêts, c'est un montant de 85 000 reais. Carmine, sur le choc, lui demande comment elle va réunir tout cet argent. Rita réplique qu'elle va disparaître de sa vie après avoir reçu ce montant. Carmine lui dit de rester loin de Jorginho pour ne pas détruire la vie de son fils, qu'elle va déployer ses efforts pour réunir cet argent. Rita réplique c'est elle qui a détruit la vie de son fils le jour elle lui a emmené à la décharge. Par la suite, Rita prend des bijoux trop chers de Carmine prétendant qu'elle va les donner aux pauvres. Adotto au salon dit à tout le monde que Carmine est folle. Agatha réplique que sa mère n'est pas folle. Nina qui descend leur dit que Carmine a fait une autre crise. Ivana dit qu'elle arrive pas à comprendre que les pilules d'amincissante puissent avoir un tel effet sur Carmine, pourtant ça n'a aucun effet sur lui. Nina se propose pour emmener un bon psychiatre pour Carmine, mais Muricy lui dit c'est pas nécessaire, qu'elle doit s'occuper de la cuisine, que la famille est capable de trouver un bon psychiatre. Jorginho débarque à la décharge pour confirmer si c'est Rita qui fait du chantage à Carmine. Il ignore avec quoi elle lui fait du chantage. Il dit qu'il va tout raconter à Typhon, qu'il est incapable de supporter les bêtises de Carmine et Rita. Jorginho lui demande ensuite avec quoi Rita fait du chantage à Carmine. Lucinda refuse de répondre. Jorginho très furieux quitte les lieux. Le lendemain, sur la table de dîner, Lelco suggère pour qu'on puisse emmener Carmine voir un psychiatre avant que son cas exagère. Typhon dit à tout le monde de ne jamais laisser Carmine seule. Rita apporte le petit déjeuner à Carmine. Cette dernière lui dit qu'elle a déjà passé des appels à la banque pour enfin réunir l'argent dans 2 semaines. Jorginho qui apparaît entend cela, il demande à ces deux de quoi elle parle. Carmine prétexte c'est à propos de l'augmentation des salaires des employés. Jorginho très furieux leur dit qu'il n'est pas un idiot, qu'il sait très bien. Nina lui fait du chantage. Il demande à Nina de sortir pour être seule avec Carmine. Jorginho insiste pour découvrir avec quoi Nina lui fait du chantage. Carmine très heureuse de voir que son fils est inquiet pour lui, elle fait croire à ce dernier qu'il n'y a aucun chantage. C'est à ce moment Typhon apparaît et emmène Carmine faire une promenade. Alexia de son côté se plaint de l'attitude de Carlitos. Sa mère lui fait savoir la polygamie c'est pas une mauvaise chose, qu'elle a vécu avec un homme qui avait 6 femmes. Elle conseille à cette dernière de réconcilier avec Carlitos. Jorginho rejoint Rita dans sa chambre pour en découvrir ce qu'elle est en train de faire. Carmine, Rita, réplique le moment opportun, toute la famille sera au courant, qu'elle va pas prendre le risque de lui raconter cela pour éviter comme la dernière fois où il a fait un scandale en apprenant l'histoire du cambriolage. Jorginho incapable de supporter tous ces mensonges se tourne pour aller raconter la vérité à tout le monde, mais Rita lui dit que si Carmine accepte ce chantage c'est parce qu'elle a raison. Carmine, en voyant Typhon sortir, décide de faire pareil malgré tout le monde refuse. Alexia débarque au bureau de Carlitos pour lui proposer pour que ses 3 femmes sont associées et de partager son temps en part égale. Carmine débarque chez Marx. Elle raconte à ce dernier l'histoire du refus d'investissement dans son agence publicitaire, c'est l'œuvre de Rita et qu'elle a mis des déchets dans la nourriture pour que tout le monde pense qu'elle est folle. Elle lui dit ensuite que Rita réclame 300 000 reais et elle demande à Marx de tuer Rita, qu'elle va lui donner ses 300 000 reais à la place de Rita. Marx promet de l'aider. Elle indique à Marx que Rita est actuellement au marché de poissons. Marx lui demande de se calmer, qu'il va déployer ses efforts pour mettre de l'ordre dans tout ça. De son côté, toute la famille est inquiète pour Carmine qui est sortie. Typhon décide de faire Zeno l'inspecteur de police venir dans la maison et l'explique la situation. Carmine surgit et dit qu'elles étaient seulement sorties pour faire une course. Au marché, Marx tient Rita très dur par le bras et l'oblige de monter dans sa voiture. Il l'emmène sur son yacht de force. Rita lui dit qu'elle est sa complice, qu'il doit pas laisser Carmine lui fait commettre des bêtises. Chez Typhon, tout le monde s'inquiète pour Nina qui n'est pas retournée. Ivana essaie de le rejoindre mais le téléphone sonne sans réponse.
Adotto est allé ensuite à la cuisine pour préparer un plat que sa grand-mère a l'habitude de préparer. Murici, Janaïna et Zeus sont là pour l'assister. Sur le bateau, Marc se demande à Rita son portable. Une fois qu'elle lui a donné, il le lance dans la mer. Marc s'avoue qu'il est contre ce qu'elle a fait à Carminia. Rita réplique: cette femme mérite le pire vu tout ce qu'elle lui a fait dans le passé. Marx lui dit que Carminia va payer quelqu'un pour le tuer car elle est désespérée et elle lui a offert 300 000 réaux. Rita le passe en ridicule et dire qu'elle a demandé 800 000 réaux à Carminia et qu'elle compte lui donner alors que Carminia veut l'offrir seulement 300 000 réaux. Avenida Brasil, épisode 105. Marx lui dit: c'est un mensonge l'histoire de 800 000 réaux, que Carminia n'est pas folle, qu'elle trouvera jamais ce montant. Jorginho débarque à la station d'essence pour interroger Betania avec quoi Rita fait du chantage à Carminia. Betania réplique qu'elle peut pas incruster dans cette histoire. Après tant de supplications, il décide de quitter les lieux vu que Betania refuse de lui dire. Carminia convoque Zeus pour lui demander de l'aide pour sortir de la maison sans que personne se rende compte. Alexia convoque Noemia et Veronica au bureau de Carlitos. Alexia fait part à ces deux son idée de partager Carlitos en part égale comme une entreprise. Veronica trouve l'idée très immorale. Ces deux très furieuses décident de quitter les lieux. Sur la table de dîner, Janaïna vient informer à la famille que Carminia n'est pas dans la chambre. Zeus se sent coupable, elle finit par avouer qu'elle a aidé Carminia à sortir discrètement de la maison. Carminia se rend à l'hôtel où se loge Begonia. Une fois qu'elle voit cette dernière sortir, elle décide de pénétrer dans sa chambre par ses astuces mafieuses. Elle fouille dans tous les tiroirs et autres affaires de Begonia. Brusquement, Begonia surprend cette dernière en train de fouiller dans la chambre. Elle veut appeler la police mais Carminia lui prend par le bras et lui donne des coups pour avouer où sont les photos que Nina a cachées. Cette dernière, voyant qu'elle obtient rien, décide de partir. Loleco, étant seul à la maison, envoie un texto à Murici pour venir le rejoindre. Chez Typhon, toute la famille est soulagée de voir Carminia rentrer. Elle fait croire qu'elles étaient au marché de poissons à la recherche de Nina mais elle n'était pas là. Elle ajoute que cette fille est en train de tromper tout le monde. Sur le bateau, Marx continue à s'éloigner de plus en plus du port. Rita lui demande de retourner au port. Marx lui dit qu'il va l'emmener à un autre côté pour s'amuser. Le téléphone de Marx se met à sonner et c'est Carminia. Il envoie Rita chercher une bouteille de champagne. Marx lui fait savoir qu'il a le contrôle de Rita, qu'il va lui donner une belle leçon. Rita revient lui dire qu'il n'y a plus de champagne. Marx décide d'aller vérifier, elle profite de bloquer la porte pour empêcher Marx de sortir. Rita, voyant un canoë, décide de crier à l'aide. Elle plonge dans la mer et nage jusqu'à ce canoë. Marx se retrouve coincé dans la petite chambre. Ivana de son côté est très inquiète pour Nina. Carminia descend en courant et dire à tout le monde qu'elle a pas vu ses bijoux et qu'elle est sûre c'est Nina qui les a volés. Typhon lui dit peut-être qu'elle a mis ses bijoux dans un autre coin de la maison. Carminia leur dit c'est la raison de la disparition de Nina. Sur le bateau, Marx réussit à sortir de la petite chambre mais Nina a déjà pris la fuite avec la clé du yacht. Darkson en route avec Thessalia pour aller au supermarché oublie la carte de crédit. Darkson, qui retourne chercher la carte, surprend Loleco et Murici qui font l'amour. Sans se faire vu, il retourne retrouver Thessalia. Beverly, l'employée de Mona Lisa, vient prendre un verre. Au club de Silas, elle profite de raconter à Olenka que bientôt Mona Lisa compte déménager dans le quartier du Sud. Noemia débarque chez Veronica. Veronica lui dit de s'unir plus que jamais et de ne pas accepter la proposition d'Alexia. Sur la table de dîner, Carminia continue à accuser Nina d'être la responsable de la disparition de ses bijoux. Murici ajoute qu'elle a aussi des doutes sur cette Nina. C'est à ce moment Nina surgit et leur demande de quoi elle parle. La famille réjouit de la voir.
Adotto lui dit c'est bien d'arriver puisque tout le monde pense qu'elle a volé les bijoux de Carminia. Tout le monde se déplace pour aller vérifier si effectivement les bijoux ont disparu. Une fois arrivé, Typhon voit tous les bijoux. Carminia est sur le choc. Encore une fois, elle a donné raison à la famille de penser qu'elle est folle.